Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Monster Hunter World sur PS4. On va donc tout de suite continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Et on va faire de l'exploration pour trouver l'ancien Wyverien. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme passe moi, oui. Alors petite annonce vite fait, vous la verrez pas tout de suite, vous, au moment où la vidéo apparaîtra sur la chaîne, j'aurai déjà Matos, mais je vais recevoir un nouveau micro. Mais un micro direct, pas un casque micro, hein. C'est un Rode. Attendez que je vous précise ça. Alors. Donc ça charge. C'est un Rode NT USB avec son bras, le Rode PSA1. Les deux, ça vaut 250. Et j'ai également pris une carte de gaming capture pour remplacer mon Razer Ipso. Pas très très performant, ce sera une carte de capture 4K 60 FPS à 400 boules, donc ça fait un peu cher. Mais bon, moi quand ça concerne les jeux vidéo ou mon setup, je ne compte pas. Et donc on aura enfin un bon micro. Commence par chercher les indices. Séparons-nous pour fouiller les environs. Ne t'en fais pas, je serai prudente cette fois. Alors, donc je suis en full stuff de Ogodaron, ça va l'indiquer. Je trouve très stylé. Alors. Dernière fois j'en avais vu un là. Il va pas être là. Il se déplace à chaque fois donc il faut juste les chercher dans les. Quand on risque de tomber sur un Rathalos également, ça c'est un peu plus chiant. Ah non, ça permet de trouver un Wyverien. Ça doit pas être bien loin. Ah non, je connecte ça. Ça compte pas pour des champions. Ouais, parce que c'est. Donc les Wyveriens ne doivent pas être loin. On prend les carcasses qu'on voit également, j'en ai besoin. Donc là, ça va certainement être de leur exploration, des zones pour battre les monstres qu'on n'a pas vu. Celle-là sera le Rathalos. Suivant, ce sera le Diablos. Après encore, je crois que ce sera le Kirin. Et le Kirin est vraiment très difficile à affronter. Vraiment, vraiment. Ah, j'ai mis mon billet, de toute façon, j'en prends un. Pour l'exploration, au bout d'un moment on aura le message comme quoi où se trouve exactement le Wyverien, qu'on a le temps. Tout notre temps. Donc ça va être mon premier micro-pied, on verra bien comment ça va fonctionner. On casse. Apparemment, il n'y a pas d'Ouverien par ici. C'est déjà ça de moins à visiter. Ah merde. Ah non, je note. C'est pas prévu, mais bon. De toute façon, j'avais des choses à récupérer sur l'Enjanat. On va se le faire en attendant. Thank you.
il va plus faire très mal avec le stuff que j'ai. Ah là, il est vénère. Oh là, je suis pas. Oh. Hop, hein. Tu reviens ici. Follow. On m'a pas follow back du tout. Ouch. Oh, quand je rappelle plus deux. Parfait. Voilà. On peut mourir par le feu. Shut up.
fond. On le suit. Pour le moment, j'ai pas encore besoin de ressources, hein. Enfin de sphère d'armure. On va surtout avancer. Alors, Atado, c'est pas loin. Oh, une feuille conclue là. Hop là. Que le Wyvernien est pas bien. Pour l'instant, on l'a toujours pas trouvé, donc voilà quoi. Puis aussi, c'est bien. Ok, on va aller là-haut. Histoire de prendre les champignons ici. Il est cet ancien Wyvernien. Je rate à l'os. Je disais que j'en ai pas besoin, mais je le fais quand même pas. Ah, par là-bas. Je vais être là-bas. Bon, ça, ça. Pardon. Où est-ce qu'il va nous emmener? Donc les empreintes du chaboteur. Il est là. Bah non. Je vais t'avoir.
viens ou... Et là-haut. Okay. Pas trop compris, mais bon. Du coup, ça me dit toujours pas où est le Wyvern. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il n'y avait rien? Ah bah oui. On a fini au même endroit, on Ah dirait. bah non, en fait. Ah, il est là-bas. Tu rates le ça, je m'en doutais. La piste semble s'arrêter ici. Là, on commence à voir des choses sérieuses. Regarde. Trouvé. Le sommet de la chaîne alimentaire? Des wyvernes de feu et à cornes?
J'imagine qu'il faut chasser ces deux monstres. Il s'agit sûrement du Ratalos et du Diablos. On rentre au QG pour se préparer? Non, on va chasser le Ratalos direct. J'ai combien de potions? J'ai une potion secrète. Hein. Cher Ratalos. Hop. On va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. Je pense qu'on va faire la quête du Diablos et du Ratalos dans cette vidéo. Il va arriver là, ouais, c'est ça. Exactement ce que je voulais. Oh merde. Ah, ça a pas marché. Ça a pas marché, tant pis. Ah, en plus, il empoisonne la blague. On va te couper la queue, mon cher.
Hein? Non? Je vais essayer de le capturer hein, par contre. Merci pour ta petite queue. Donc on a bien, descendu niveau 8. Allez, allez. Fait mal, hein. Ah, peut-être qu'il a fait oublier maintenant. Ah, en fait. J'ai juste méga vénère. Par là-bas, je crois. Bon. Il est où? Il est là. On va monter en route, enfin, on va capturer. Je crois que là, il va être en train de se reposer. On le piège. Électrochoc. Il doit être selon moi le plus bon des pièges. Le meilleur, le plus bon de l'Indien. Ah non, il est toujours pas assez fort.
Je tombe. C'est faible ou pas? Est-ce qu'il boite? Ah, et puis pas encore. Là il boite. Au tour des Diablos maintenant. Je vais voilà. Des préparatifs de la quête. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Tendance. Bon, encore un gisement mini. Ça va être easy. Easy, easy. Un gisement, ça? Oh, pas. Hein. Non. Ça, c'est un gisement. Oh non, on aura capturé. Enfin, on aura capturé un Rathalos. Bon. Ce sera déjà ça. Hop, retourne au QG. On a reçu une plaque en janate. Oh, on a reçu des choses pas trop mal pour le Rathalos. On a reçu une plaque Rathalos, ça c'est nice. Prochaine cible, le Diablos. Ouf, le Diablos a un petit peu de temps, hein, t'inquiète pas. On a tout le temps. Alors Rathalos c'est pas si difficile que ça. Alors attention quand même. Oh, oh c'est toi.
Alors, qu'est-ce que j'ai pu débloquer là-bas? Je connais déjà l'emplacement du Diablo, donc ça sera déjà cette épée. Pouvoir du... Ouais. Pas trop d'intérêt à le faire, celui-là. Ranger d'amulette. J'ai pas encore d'amulette pour lui. D'accord, la prochaine arme ce sera donc de lutte. Ah, c'est du Kirin quoi, c'est chaud comme ça. Il va falloir un cran Jeannette. A moins que ça ce soit du Diablos. On verra. Sur des anciens. Peut-être que le petit coup peut avoir quelque chose d'intéressant. Équipement complet peut-être. Il n'y a que le veilleur qui prend. Ah, Talos, et en Kirin, ça. Tout stylé en Kirin. Oh, il est méga stylé. Bon, très bien. On va pouvoir prendre l'autre quête là. Ouais, alors on va prendre la cuisine. Et ensuite, on va là. Ah, j'ai même pas débloqué la quête pour la Talos. Ça doit être supérieur. Ça doit être au-dessus. Je vais nouvelle quête, y'a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon bah, allons se faire le Diablos. Dans le camp. Dans le camp 15. Il est juste en dessous. Normalement, la dernière fois que je l'ai vu, il était là-bas. On a fait deux gros ennemis dans cette vidéo. Moi j'adore ce stuff, il est trop stylé. Après j'ai pas les meilleures armes pour que ce soit stylé, mais... Pour l'instant je vais rester en lame plumette jusqu'à... Loquette 9 étoiles je pense. Après, Je verrai.
Tirant à corne sous le sable. Où est le coffre ici? Il est là. Ok, bah, allons-y, hein. On se faire cet ennemi. Il est pas là? Ça m'étonne. Ah, il est sorti. Il est au-dessus. Juste cuire des plantes. Okay. Allez, le Diablos, on va s'occuper de toi. On va te passer un petit coucou. Ayant pas. Ah, il est là-bas. Ce qui est sûr, c'est que le Diablos porte bien son nom. Disque. Voilà. Diablos. On va espérer qu'ils aient plus de place, hein.
Allez. Là, ça y est. Bon, je vois rien. Bon. Voilà. Il m'a défoncé. Pas comment le battre en fait, ça faut que je bloque là. Oh là là. Bien fait défoncer par contre. On va éviter de perdre à chaque fois. Oh, j'ai une corne, j'ai pas vu.
Ah merde. Non mais oui, c'est bon. Putain, je me fais empaler. Là 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 là. On pense à que... Samuel Kiplops. Et mec, la queue, ça sert à rien que tu fasses des coups de queue. Hein. Hop, putain. Ben voilà. Il retourne là-bas. Attends un petit peu qu'il s'allonge. Il y a franchement l'ancien Wyverien veut parler à celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est de toi qu'il s'agit. Et voilà mon petit. Ça n'a pas été facile, hein. Tu peux tuer une fois quand même, hein.
Un peu de silence, je vous prie. Faisons le point sur notre situation. Les efforts soutenus de la cinquième nous ont permis d'apprendre un certain nombre de choses. Le Zora Magdaros se dirigerait vers la rivière éternelle. En mourant, il laissera échapper toute la bioénergie qu'il aura accumulée. Malheureusement, la rivière éternelle traverse la totalité du Nouveau Monde. Si le Zora meurt dans la rivière éternelle, l'énergie libérée réduira tout en cendres. Commandant, la commission devrait se préparer à évacuer immédiatement. Je vais dire à ma sœur de préparer son dirigeable. Il est déjà trop tard. Nous n'avons pas d'autre choix que d'abattre le Zora Magdaros. Quoi ? Nous faire rayer de la carte est précisément ce que nous cherchons à éviter. Exact. Et nous sommes ici pour étudier le rôle de cette bête dans l'écosystème. Et non pour la faire disparaître. J'ai peut-être une solution. Et si on essayait de la tirer loin de la rivière éternelle? La tirer? Oui, commandant. J'ai fait mes recherches. La rivière est forcément connectée à l'océan, non? Donc, si on réussit à attirer le Zora Magdaros vers la mer... Nous pourrons atténuer les effets de l'explosion. La bioénergie ainsi libérée créera un nouvel écosystème marin et le Nouveau Monde sera sauvé. Permettez-moi de vous rappeler que nos tentatives pour le capturer nous ont coûté énormément de matériel. Et même si nous avions le nécessaire, quel genre d'arme pourrait réussir à détourner ce mastodonte? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Le meilleur plan. C'est bien ce à quoi je pense? Oh oh! On passe enfin aux choses sérieuses! On peut dire que tu as pris ton temps, capitaine. Mais nous sommes ravis de te voir. Je vous apporte tout ce dont vous aurez besoin. Balistes, boulets de canon et une montagne de matériel. Sans oublier une petite surprise. La guilde nous a fourni un sacré vaisseau. Il est équipé d'un Dragonator, le dernier cri en matière d'armes anti-dragon ancien. Excellent. C'est exactement l'arme qu'il nous faut pour pousser le Zora Magdaros vers le large. Chasseurs, l'heure est venue. Terminez vos préparatifs et rendez-vous au plus vite à la rivière éternelle. Je vous expliquerai tout une fois sur place. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. En route! L'heure est venue pour nous tous de faire nos adieux aux Zora Magdaros. Ok. Écoute-moi. Que l'étoile de Saphir soit avec toi. J'ai de nouveaux articles en stock. Ah, 36 000, ils ont cramé. Ils ont craqué.
mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est promis, hein? Ouh! Ça, ça va être chaud, par contre. Diablos, j'en aurais pas besoin, je crois. Quand je reste dans le deux Garonne. Je prends peut-être que pour l'arme. Non, reste comme ça. Si c'est bon, maintenant il nous reste juste à regarder de l'autre côté donc. Poste de repère. Et puis on s'arrête là. L'an prochain, on fera le Zera Magdaros. Et au final. Ouais, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur vous abonner à la chaîne. Dead to the Dead, projet type HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Vive les jeux vidéo.